parce que j'ai pas confiance dans les rachamim d'Hachem. Maintenant, toute la tchouva du tzaddik, c'est de faire tchouva qu'il n'a pas assez considéré la grandeur de la miséricorde d'Hachem. C'est sur ça que le tzaddik fait tchouva. Sur quoi il fait tchouva, Abraham Avinu? Comment j'ai laissé passer l'occasion? Quand Hachem, je lui ai dit, et s'il n'y a que 10, il a dit 10, il n'y a pas de problème. Pourquoi je me suis arrêté? Pourquoi j'ai pas. Non, il n'arrivait pas. Il dit, bon, 10, ça y est, il ne faut pas exagérer quand même. On est parti de 50 déjà. On est arrivé à 10. On ne peut pas exagérer. C'est comme si quelqu'un, vous allez marchander, il vous dit, voilà, ça vaut 100 000. Tu dis 100 000. On peut enfin faire un petit prix. Il dit, bon, je vous fais 90 000. On ne peut pas essayer, peut-être 80, ça peut passer. Bon, les 80, j'ai 80 000, je vous laisse. Mais ce n'est pas que pour 8 centimes il peut l'acheter. Il ne peut pas imaginer ça. Il faut qu'il imagine ça. Il faut qu'il imagine qu'avec une tfila, Hachem le sauve. De tout le rage, de tous les problèmes qu'il a, une tfila, rien qu'une tfila. Ça, c'est uniquement la confiance dans Hachem et la prise de conscience de la miséricorde. Maintenant, en gros, le tzaddik, il travaille sur ça sans arrêt. Il fait tchouva, il dit comment j'ai pu ne pas voir la miséricorde d'Hachem tellement grande. Alors, il fait tchouva sur ça. Il dit la miséricorde d'Hachem, elle est beaucoup plus grande que ce que j'ai vu la dernière fois. Donc, je fais tchouva sur ça. Alors, maintenant, quand le tzaddik, lui, fait tchouva sur son concept de la miséricorde d'Hachem, alors en bas, l'homme pashut, comme on dit le commun des mortels, le Ben Adam pashut, lui, qu'est-ce qui prend conscience que malgré comme il est, il peut faire tchouva. C'est ça que le tzaddik il lui envoie. C'est-à-dire, comme le tzaddik il amène une nouvelle dans le monde, une nouvelle prise de conscience de la miséricorde, celui qui est en bas, il dit, mais alors, moi aussi je peux. Oui, toi aussi tu peux. Comme moi aussi je peux être un tzaddik, toi aussi tu peux être un tzaddik. Mais non, moi, laisse-moi que. Moi, si je pouvais arrêter de faire telle bêtise, si je pouvais garder bien le Shabbat. Non, mais laisse ça, il y a beaucoup plus loin que ça. Pourquoi tu veux te limiter à ça? Le massé que je raconte tout le temps, il était venu pauvre. Il était de Rabbi Yochanan Shalom. Il dit que quelqu'un il était très riche et il a perdu toute sa fortune. Et il est devenu mendiant. Alors son ami il l'a vu un jour, il lui a dit, mais tu ne vas pas être mendiant comme ça. Moi je t'ai connu riche et tout, viens, je vais te donner au moins un petit travail, quelque chose. Alors il a pris chez lui, il lui a donné les champs de pommiers qu'il avait. Il dit, tu vas t'occuper de tous mes pommiers et tout, et je te paierai royalement. Alors le gars il a commencé à travailler, dès qu'il lui donnait un champ, il n'y a plus rien qui poussait là-bas. Tout ce que lui devait s'occuper, il n'y a rien qui poussait. Comme on dit Ben Ezra. Oui. Ben Ezra, quand il a été chez le Rambam lui a dit, il est malade, la parmasa, il ne peut pas avoir parmasa. C'est tout ça sa maladie. Et Ben Ezra, quand il a dit, je vais faire fossoyeur, puisqu'il y a des gens qui meurent tous les jours. Oui. Donc ça, c'est sûr que ça marche. Alors dès qu'il a commencé à faire ça, les gens ne mouraient plus. Le Satan, il est venu, il m'a dit, tu arrêtes ce travail, quand même. Il dit, parce que depuis que tu es crevé, je ne peux plus tuer les gens, pourquoi tu ne dois pas avoir parmasa. Alors cet homme-là, c'est pareil, il allait, les pommes ne poussaient plus. Comme ça, un an, deux ans, il était triste, et son ami qui voulait lui rendre service, lui aussi, il n'était pas bien. Il dit, moi, je voulais l'aider et tout, maintenant, je n'ai fait qu'augmenter son... Il voit vraiment que son mazal, il est complètement nul, il n'a rien, tout est fermé. Alors un jour, au bout de trois ans, il voit que les pommiers, ils sont commencés à fleurir et tout. Alors il vient, son ami, le propriétaire, il dit, bah, oh Rachel, regarde, ça y est, ça commence à pousser et tout. Alors il voit que l'autre, il fait sa valise pour partir. Alors il dit, pourquoi tu pars? Ça y est, maintenant, regarde les pommiers. Il lui dit, tu crois que maintenant, que mon moisel, il est repris, tu crois que je vais ramasser des pommes? Maintenant, ça y est, maintenant, je pars. Maintenant, je repars vers la richesse, c'est fini ça. C'est-à-dire, ça s'est ouvert maintenant, ça y est, c'est fini. C'est ça la prise de conscience que le tzaddik donne. Le tzaddik il dit, va-y-va-libo bedarke Hachem, il faut que ton cœur, il faut que tu l'élèves dans le darke Hachem. Oui, tu peux. On dit aux gens, il faut aller se coucher tôt. Les gens ici, quand on leur parle de se coucher à 7h du soir, ils le regardent comme un zombie. Ils voient des regards et disent, bon, le pauvre, qu'est-ce qu'on peut faire? Il est un peu... C'est comme ça. Il a rien à faire. Ah, ouais, lui, il est grand-père, un truc, ça y est, c'est pour ça qu'il dit ça, etc. Ah, qu'est-ce qu'on peut faire? Quand quelqu'un va se coucher à 7h du soir, il faut être tombé sur la tête. Des fois, la France, il nous appelle, il fait allô, oui. Quoi, t'es couché? Tu dis oui, alors. Il me dit déjà. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quelqu'un, il va dormir à 7h du soir, on le prend pour un fou. Les gens le prennent pour un fou. Mais lui, il dit, non, moi je peux, moi j'ai envie de me lever la nuit, de prier, de faire tikkun façon, de faire tikkun Rachel, tikkun Léa. Il dit, mais qui es-tu toi pour faire tikkun de Rachel ou de Léa? Regarde la tête que tu as et tout. Il dit, ça ne me dérange pas, moi, ma tête. Je m'en fous de ma tête.
Moi, je veux faire Tikkun Rachel, Tikkun Léa. Moi, je veux faire de l'Avoda qui faisait les tzadikim. Moi, je veux ça. Pourquoi je ne veux pas arriver à ça? Ça, c'est qu'une prise de conscience de la miséricorde. Que moi aussi, je peux. Moi aussi, je peux. C'est pareil, je n'ai pas besoin d'être, comment il dit cette blague-là, quelqu'un qui veut être avoir par la Saint Israël, il doit devenir riche, ou il dit une blague comme ça, pour être pauvre en Israël, il veut devenir millionnaire, il faut devenir milliardaire. Ouais, si tu viens vers être milliardaire, alors tu peux devenir millionnaire en Israël. Mais ça, c'est un chamichement, ça c'est du bourrine du Meraglim. C'est du bourrine du Meraglim, c'est des blagues, mais c'est du bourrine du Meraglim. Parce que les gens, ils ont une vision de l'Eretz Israël qui est assourde de voir comme ça. Pourquoi? Il n'y a pas ici, bon, Hachem, il y a des milliers de millionnaires en dollars. Ils ont sorti là-bas, je ne sais pas combien, à 2000 ou 10 000, je ne sais pas combien, des millionnaires en dollars. Et combien de gens qui vous racontent, hein, qui sont venus en Israël sans rien, et bon, Hachem, ils ont, combien de gens ils sont venus ici, ils ont acheté leur maison, alors qu'à Paris, ils n'avaient pas de maison. Et ici, ils ont acheté leur maison. Il n'y a pas que cette vision-là. Cette vision, elle vient rentrer de la négativité. Maintenant, il faut savoir que si Hachem il ouvre les rachamim gdolim, avec des rachamim gdolim, il faut être ma'amin dans les rachamim d'Hachem, qui sont des rachamim gdolim. C'est pas, il ne faut pas se limiter. Parce que si l'homme il se limite lui-même, c'est lui qui est responsable. Hachem, il voulait lui donner, c'est lui qui est responsable. Mon cher Rabbeinu, qu'est-ce qu'il peut dire à Hachem? Il dit, mais Hachem, toi-même, tu m'as dit d'arrêter de prier. Il dit, d'accord, mais pourquoi tu m'as écouté? Quand Rabbi Nachman me dit, s'il y a quelqu'un ne vient pas chez moi à Rosh Hashanah, il ne faut pas qu'il m'écoute. Alors imaginez quelqu'un, il vient chez Rabbi Nachman, il le voit, il lui dit, il ne faut pas que tu viennes chez moi à Rosh Hashanah. Après il le trouve, il est là. Alors il va avoir peur, il va dire, je rentre, le Rabbi m'a dit de ne pas venir. Si jamais je rentre, il dit, ça y est, il va me tuer. Et non, pas du tout, s'il vient, il va lui dire, bon, papa, tu as bien fait de venir. Heureusement que tu ne m'as pas écouté. Il dit, tout ce que le Balabaï te dit de faire, tu dois faire, sauf s'il te dit de sortir. Si tu dis sors, il dit non, je sors pas. Madame Arichon, il est dans le carré d'air. Hachem lui dit sors, il doit lui dire non, je sors pas. Si tu sors pas, pourquoi je vais sortir? Moi, je suis bien dans le carré d'air. Il dit, mais tu as fauté. Il dit, alors c'est pas grave, qu'est-ce qu'il y a? J'ai fauté. D'accord, on fait chouma, mais pour ça, je vais sortir du carré d'air. Pas sortir du carré d'air. Je sors pas. Ça, c'est quand il a confiance dans les rachamim. Il sait qu'il y a de la miséricorde chez Hachem. Et toute cette façade-là, de rigueur, c'est une façade uniquement pour justifier le chèque à la fin du mois. C'est tout. Mais Hachem, il va lui donner. Parce que c'est l'eau d'Israël. Vous êtes rentré en Eretz Israël, vous ne pourrez pas passer d'Israël. Si c'est pas d'Israël, si c'est pas le Mehou. C'est un cadeau, c'est Matamatrina. Il y a un minimum d'Arizat sur quelque chose. Le minimum, c'est de dire merci, c'est tout. Si la fila elle se fait comme ça, allez, s'il n'y a pas de possibilité de. C'est sûr qu'il n'y a pas de possibilité de se reposer sur l'esprit. Il n'y a même pas besoin de se reposer sur l'esprit. On n'a aucun secours, on fonce quand même. De l'autre côté, on nous dit mais si vous êtes rentré en Israël, c'est pas maintenant. C'est pas ça. On va pas. Bismorf à la messe en permanence. Bismorf à la matana en permanence. Et alors, sur quoi? Ils sont pris mal à la messe. Alors, faites sortir le chéquier. Pourquoi les femmes sont pris mal à la messe? Si maintenant vous êtes capable de payer, moi je vous dis, sortez le chéquier et payez. Si vous êtes capable de payer, ce que ça veut dire? Non, mais les gens, ils disent pas parce que le tafraï, ils disent pas de chéquier. Si le rachaïm, il monte à quatre pattes sur le poker de Rabbi Shimon Bar Yochai, le rachaïm à Kadosh. Quand il va à Méron, il ne monte pas avec ni le minibus, ni à pied, ni avec le taxi. Ni il ne cherche pas les bus qui disent on vous amène jusqu'au Kéber. Il arrive en bas avec son âne, le truc, et il laisse l'âne et il monte à quatre pattes depuis en bas jusqu'à l'arrondissement de Mayopal. Maintenant, qui est-ce qui fait ça aujourd'hui? Et si quelqu'un le fait, c'est un clown. Vous comprenez? Parce qu'il n'y a personne qui a conscience de la valeur de l'entrepreneur. C'est une dégénération du fou. Les gens, ils ont des dessins animés dans leur tête. Toute leur Torah, tout, c'est des dessins animés. Qu'est-ce que vous voulez qu'il paye? Avec quoi il va payer? Payer, ça veut dire que je suis conscient de la valeur de la chose.